Depuis des années, Diana Burnwood était mon unique contact avec l'agence. Elle m'offrait l'impunité. Je lui vendais la perfection. Nous nous faisions confiance. Le 10 août dernier, Diana a choisi de mettre en péril l'agence. Elle a vidé les comptes, coupé toutes les communications et mis en danger les agents avant de disparaître. Maintenant que l'agence s'est reformée et a retrouvé sa trace, on m'a proposé le contrat. Un jour, j'y repenserai comme à une mission parmi les autres. Après tout, c'est mon métier. It's Man Absolution! Bonjour à toutes et à tous! Ici, Black the Net! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, remix, c'est parti! Diana! Donc bonjour à toutes et à tous, ici Black the Net. Et on se retrouve aujourd'hui pour la sortie d'Eton Absolution et pour le début de ce nouveau playthrough. Ah, ça fait du bien, j'ai attendu ce jeu pendant longtemps. Sachant que Hitman Blood Money, arrêtez de parler en même temps que moi. Diana, les joueurs de Hitman, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ont toujours eu l'esprit de compétition. Non. Diana, elle arrête pas de parler de lui. Comme de la première fois qu'ils ont travaillé ensemble. Ah oui? Mais qui me parle? Ce sont les histoires que je préfère. Qui es-tu, petite fille? Émilie, c'est toi? Je sais qu'il lui arrive de faire des mauvaises choses. De très mauvaises choses, même. Mais je pense qu'on peut être bon. Et mauvais à la fois. Oui, c'est vrai. S'il a fait ça pour aider quelqu'un, alors... c'est bien. N'est-ce pas? C'est très très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce nouveau playthrough sur Hitman Absolution. Comme je disais, Hitman Blood Money était sorti en 2006, je crois. Donc ça fait 6 ans, 6 ans, qu'on attend Hitman Absolution et donc c'est la libération. Enfin! Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, je vais faire une nouvelle partie. Alors regardez-moi juste ce menu. Moi je le trouve exceptionnel. Ouh, bonjour. On voit que vraiment il y a eu un effort. Enfin, l'accent a été mis sur la narration et sur... je sais pas comment dire. On dirait des images réelles quoi, on dirait des prises de vue réelles, c'est magnifique. Black Donuts à 75 000 $. C'est magnifique. Alors j'ai simplement lancé le jeu ce matin pour voir si ça tout fonctionnait. Et pour tout régler. Par contre il faudrait juste que je mette les sous-titres. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Son peut-être. Non plus. Langue du texte. Français, oui, non, c'est d'accord. Ou quoique. En VO, ça pourrait être pas mal. Bon, maintenant, je vais vous laisser en français pour vous. Surtout si j'arrive pas à trouver. Essayer d'être en affichage quand même, non? Non, mais j'arrive pas à trouver où mettre les sous-titres. Donc, bon, on va faire sans. Écoutez. Ah, si, sous-titres. Oui! Je veux les sous-titres. Ok. Et c'est parti. Donc, nouvelle partie. Donc j'ai simplement fait le tout début, enfin j'ai quasiment rien joué, hein, je vous dis, j'ai même rien joué du tout. Difficile, normal. Difficile ça me tente un peu. Mais vu que je connais pas encore bien le jeu, est-ce que je commence quand même en normal? Je sais pas si on peut changer pendant la partie, je doute. Bon on va quand même faire en normal parce que voilà. Et puis si je peux, je passerai en professionnel. Écoute-moi bien. Tu vas devoir être courageuse. Courageuse, moi? À qui tu parles? Un homme va t'emmener. Oh. Je ne peux pas venir avec toi. Nous n'avons pas le choix. Cet homme est différent. Il saura te protéger.
Surtout, ne le juge pas sur ses actes. Il a pris un coup de vieux, 47. Pardonne-moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras tout ça. Oh, ce petit violon. Ce petit violon me donne la chair de poule. J'adore. 47. Ici Benjamin Travis. L'argent a été viré. Une moustache. Des yeux de porcin. C'est un traître. Je vous remercie d'accepter cette mission, 47. Ce n'est jamais simple quand la cible est de la maison. Mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie. Mais Diana n'a pas trahi par hasard. Oui, une équipe de nettoyeurs, mais c'est une mission pour un scalpel, pas un... Elle devait avoir ses raisons. Inutile de vous justifier. Exactement. Bonne chance, 47. La chance n'a rien à voir. C'est le talent. Oui, je sais. Ouais, je le dirai. Bonjour. Fichez le corps. On a besoin de... Je vends des glaces. Votre collègue. Quel collègue? Oh. Oh là là, ça commence bien. Ouais, j'aimerais jouer par contre là. Ça commence à faire long. Tour Blistad. C'est vrai que IO Interactive, je crois que c'est des Suédois si je dis pas de bêtises. A personal contract. Les éléments de jeu clés seront mis en évidence. Bonjour, messieurs, dames. Essayez de tuer discrètement et de rester invisible avant tout. Intéressons-nous à l'interface. La barre Oula, pourquoi ça ralentit ? Représente votre santé. Observez le radar juste à côté. Ah, j'aime pas trop ces ralentissements. Objectif, ennemi et point de sortie. Ah non, mais quand je jouais tout à l'heure, il n'y avait pas de ralentissement. C'est quoi ce bordel ? Vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non. Ah, voilà. La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste. C'est très bien. Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel. C'est très bien. Allons-y. Oh, c'est parti. Accès de carnet. Oui. Donc rapidement, donc vous savez, Hitman. Chef de division de l'ICA. Oh, merci de parler tous. Mon ancien agent de liaison, Diana Burnwood, a trahi l'agence et kidnappé une jeune fille du nom de Victoria. Mais pourquoi t'as fait ça? T'as pété un câble, Diana? Dans le mois de recherche, Diana a été localisée. Elle se cache dans un manoir lourdement gardé. Sur les berges du lac Michigan. Ok. Mon objectif, éliminer Diana. Ça marche. On va faire ça. Donc, oui, Hitman, c'est édité donc a priori par Square Enix. Je pensais que c'était Eidos. Pendant le temps, c'était Eidos. Développé par IO Interactive. Donc je crois que c'est les Suédois, comme j'ai dit. Et puis c'est juste excellent. Alors. Approchez de l'abri devant vous. L'ennemi a plus de mal à vous repérer quand vous êtes à couvert. Je suis couvert. Les objets que vous ramassez peuvent vous servir d'armes ou vous permettre de créer des diversions. Lancez la clé anglaise sur les seaux pour distraire le garde. Ok, je vais faire ça. Wouhou ! Excellent. Passez pendant que le garde est distrait. Oh là là ! Mais ce qu'il a gagné en agilité, 47 ? Les mains bien en évidence. Allez, on va tout de suite commencer normalement. BOUM! Quoi, il est pas... Une brique sur la gueule et il est pas assommé! Non, mais ça va bien, oui. Allez, petit. Petit. Mais comment on se baisse? Comme ça. Hé hé hé! Hé, mec! BOUM! Non, j'ai pas brisé le cou, j'ai juste assommé. Voilà. Pour profiter au maximum de cette introduction, tuez avec discrétion et ne vous faites pas repérer. Ok! Je vais faire ça. Vous me connaissez? Pourquoi tout est... Ok, je sais pas.
Il y a des effets de lumière assez étranges. Alors, un outil derrière le tronc d'arbre, oui. Le système se fixe sur les... Visez la tête. Oh. Ensuite, améliorez votre précision en stabilisant votre visée. Ok. Ça marche. Meurtre propre. Hop. N'oubliez pas de cacher le corps. T'inquiète les pas. Les cadavres attirent toujours l'attention. Je suis pas mon premier meurtre. Qu'est-ce que ça ? Activez le point de contrôle. Non, je n'active rien du tout. Hop. Viens à toi. Hop. On perd pas les bons vieux réflexes. Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus. Oh, c'est bien ça. Vous servir de cachette. C'est bien. Vous avez activé un point de contrôle. Vous reprendrez d'ici si vous mourrez ou choisissez. Qui va mourir ? Personne ne meurt. Ah, ok. Rangez votre arme. Ah bon ? Je vais te dire, quelque chose a dû la faire méchamment pâtir. Ok, c'est pas juste bizarre. Utilisez votre corde à piano pour éliminer le garde en silence. Oui, je vais faire ça. La police de proximité, c'est son choix. Meurtre propre. La corde à piano vous permet de traîner les corps immédiatement. Oh ! Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Je vais te mettre... Je vais te mettre... Mais c'est génial ! Et... Hop ! Du travail propre et sans bavure. C'est comme ça que j'aime ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Fais comme si de rien n'était. Entrer, c'est quoi ça? Oh! Ok, je peux me cacher moi-même dans une poubelle, dans une manette, si je sais pas. Si personne ne vous a vu entrer, vous ne risquez rien. Hello! Vous pouvez jeter un coup d'œil dehors. Hop! Oh, cette classe! Alors, ouh! Bonjour monsieur! Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Oui, non, mais le... attire toujours l'attention. Oh là là. Heureusement, il y a toujours de quoi cacher des corps pas loin. On dirait que c'est fait pour. Mais ok. Ça va chier. Et hop. Ah, c'est une caisse pour ranger les balles de tennis. Ok, je vois. Ah, mais Diana, elle se paye une putain de résidence, dites donc. Oh, ça c'est... C'est intéressant, ce genre de sculpture. Alors... Les sens surhumains de l'agent 47 surhumain lui permettent de percevoir précisément son environnement. Contrôle. Remarquez tous les gardes déployés dans le jeu. Oh, c'est chiant ça. Ouh. Tu ne m'as pas vu. Ouh. Oh, mais ça m'intéresse pas trop moi de voir les ennemis à travers les trucs. Faudrait quand même que je me mette en mode professionnel, je pense. Un livre ? Ok, je prends un livre. Diversion. Oh, super. Tir précis ou étranglement, le choix vous appartient. Et le livre, je suppose que c'est pour une diversion. Ok. Diversionnons alors. Hop. C'est de la coupe ça, hein. C'est de la coupe. Chut. Chut. Voilà. Non, toi, je vais te cacher par ici. Viens, 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 viens. Quelqu'un va vous repérer. On vous arrête. Oh là là ! Feignez de vous rendre ou marchez calmement vers une zone isolée. Puis, ne... Ah bah je suis désolé mec, je sais vraiment pas, je suis désolé. Ah, ah ok, le 47 il a appris quelques techniques de Kung Fu, dis donc. Il fait un tour à la Ligue des Ombres. Auprès de Ra's al Ghul. Alors attention. Eh hey, mec ! Boum ! Meurtre propre. N'oubliez pas de cacher le corps. Les cadavres attirent toujours l'attention. Mais t'inquiète pas. Ouh. Putain. Oh là là, les fails commencent. Eh mec. Vous inquiétez pas. Tout se passe très très bien. Ah mais... Voilà, il faut mettre silencieux, c'est peut-être plus... Merde. Qui m'a vu? Personne. Mettez-vous hostile couvert pour mais vous non. Protéger des balles ou essayez de vous cacher. Ça commence très très bien je crois là. Ah oh, bonsoir. Ça commence très 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 bien. Bon. De toute façon c'est pas comme si... C'est pas comme si ça allait me déranger.
J'ai la classe et je me la pète. C'est tout. Ok, donc V, c'est pour changer le... Ok. Monsieur, dame. Oula. Anticiper les mouvements ennemis grâce à l'instinct. Le chef s'est encore surpassé. Comment ça? Tu vois, ce boulot à boîte. Le garde se dirige vers la rambarde et ne vous atteindra pas. Vous pouvez lancer... Oh, c'est cheaté, ça! ...pour attaquer ou faire diversion. C'est cheaté! Lancez. Par contre, ça aurait été mieux s'il était tombé par-dessus la rambarde, mais... Mais je vais faire ça, ouais. Oh, c'est classe, quand même. Ils ont vraiment... Ils ont vraiment bien amélioré les animations, les mouvements, les... C'est vraiment pas mal. C'est que ça. Les tirs de votre arme actuelle attireront l'attention de l'ennemi. Utilisez plutôt vos super voleurs avec silencieux. Qui es-tu, toi? Ah, je peux pas le... Bon, c'est pas grave, alors. Il vous faut un déguisement pour vous infiltrer discrètement dans la serre. T'inquiète pas! Trouvez un déguisement. Je connais mon boulot. Hop. Et hop. Et je vais être déguisé en... En Michael Douglas. Non, en... Vous êtes déguisé en jardinier. En jardinier. Parfait, mon déguisement préféré. Présent dans la serre. Avec des sandales en plus. Vous les approchez de trop près. Ok. Alors, gardez vos distances. Hey, mettra à proximité du jardinier. Hey, je suis le nouveau jardinier. Je m'appelle Gustavo. Hey, Gustavo. Bonjour, bonjour. Monsieur, dame. Bonjour, bonjour. Ok, ok. Ok, ok. Les jardiniers droit devant auront des soupçons. Et vous n'avez plus assez d'instinct pour disparaître. Oh. Ah bon? Essayez de trouver un autre chemin. Oh. Ok. Allons-y. Vous êtes passé inaperçu en dépensant un peu de votre instinct. Vous régénérez votre instinct en remplissant vos objectifs, en neutralisant vos ennemis en silence, en assassinant vos cibles et en évitant intelligemment le danger. Ok, intelligemment, c'est ce que je fais. Les gardes bloquent la sortie. Trouvez un moyen de faire diversion. C'est parti. Je tourne une vanne, mais je ne sais pas ce qu'elle va faire. Oh, parfait. En vous occupant de ces gardes, vous avez régénéré un peu d'instinct. Bien, on va voir les bateaux. Pardon. Désolé, vous pouvez pas passer par là. Oh, excusez-moi. Je pensais que je pouvais, je... Un pas à la fois. Je suis désolé. BAM! Oh shit! Putain, mais... Vous êtes démasqué. Voilà. Votre tenue de jardinier est devenue suspecte. Éliminez tous les témoins ou changez de déguisement pour vous faire... Oh là là! Bonjour! Ça va? Merci. Ah bah ça commence bien tout ça! J'adore! Oh, un rebord! J'aime bien les rebords! J'ai traversé l'enceinte. La maison est juste en face. Oh, c'est... C'est... Oh! C'est acrobatique tout ça, dis donc! Tu sais que 47 se serait transformé en assassin? En vrai, c'est ça? Comment je passe? Passer devant la fenêtre, ok. Elle est très précieuse à monsieur et à ceux de l'agence. Hop! C'est pas vrai. Vous êtes sûr? Alors c'est pas un cancer de la prostate? Un cancer de la prostate? Eh ben non, mais tu vas mourir autrement! C'est dommage! Bon! Et hop! Vous êtes entré. Je m'infiltre! J'aime m'infiltrer. Votre actuel attirera la suspicion des gardes. Trouvez une autre tenue ou faites en sorte de ne pas être vu. Hop. Hein? QG, soit il y a un esprit, soit on balance des trucs dessus. Tiens! Voilà. Meurs plus doucement, mec. Oh, un déguisement, c'est parfait. L'uniforme de garde du manoir vous donne accès à tout l'intérieur du bâtiment. Un peu de contrôle, ok. Les autres gardes vous démasqueront si vous les approchez de trop près. Ça alors marche! Respectez vos distances. Bonjour, messieurs! Bonjour. Ouh! Une belle collection d'armes, dites-moi! Dana sait ce qu'elle fait, dis donc. Alors. Le verrou électronique contrôle la distance. Preuve. Différentes preuves sont cachées dans le jeu. Ok. Trouvez-les pour gagner de l'instinct et des points d'évaluation. Très bien.
Oh, ok, ça marche. Le système d'évaluation s'activera dès que vous franchirez cette porte. Il suivra votre progression et vous récompensera en conséquence. Ah, j'aime les récompenses. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Comme toujours, votre liberté d'action est totale sur cette mission. Bonne chance. Ok. Ok, c'est maintenant que ça commence. Ouh. Récupérer la carte d'accès.